Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo chez Adobe Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer vos maquettes pour vos différents produits dans Photoshop. C'est parti! Donc, une fois lancé votre logiciel, vous venez au niveau fichier, comme d'habitude, et puis vous cliquez sur ouvrir. Et puis vous importez vos images. Donc vous cliquez sur les images que vous voulez utiliser et puis ouvrir. Donc nous allons nous baser dans cette image là. Donc on va déplacer cette image là. Désactiver l'image. Maintenant, vous allez dupliquer cette image-là en cliquant sur CTRL-J. Ensuite, vous allez effectuer une sélection au niveau de l'objet. Donc, vous connaissez déjà les différents moyens pour sélectionner les images. Donc, là, je vais utiliser le moyen le plus rapide. Donc, sélection automatique. Voilà, la sélection est déjà faite. Donc là, vous cliquez encore sur CTRL-J. Ensuite, vous allez remonter le calque, comme je le fais ici. Ensuite, vous activez ce calque-là. Donc, ce que vous allez faire maintenant, vous allez sélectionner l'image qui est en haut. Et puis vous cliquez sur ce menu déroulant et puis vous sélectionnez densité linéaire plus. Ensuite vous revenez en bas, vous désactivez ce calque. Ensuite vous dupliquez ce même calque, vous le faites descendre et puis vous revenez à l'état normal. Ensuite, vous remontez en haut, vous cliquez sur le calque qui est en haut, et puis vous cliquez Alt. Voilà, vous faites la même chose, Alt, puis la touche Entrée. Voilà, donc comme par magie, vous voyez, ça s'est intégré, ça s'est adapté automatiquement. Venez ici au niveau de l'opacité, vous diminuez un peu l'opacité. Et là, ça dépend de la manière dont vous voyez l'image. Donc, vous pouvez vous arrêter à 80, 83 ou plus. Donc voilà. Ensuite, ce que vous pouvez encore ajouter certaines astuces, bien ajouter du texte ici. Donc ce que je vais écrire, bon, je vais bon, j'invente, hein. Je vais écrire juste la taille du texte. Donc là, on va changer la couleur du texte blanc. On va mettre la couleur blanche. Thank you.
on va ajouter notre texte, hein, là, bon, là j'essaie d'improviser, hein, je mets des trucs comme ça. Voilà, donc on va chercher notre style de texte. Nous sommes à la fin de ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas de laisser un pouce bleu, de partager la vidéo si c'est gratuit et de vous abonner pour ne rien rater.